Alors, les économistes que nous qualifions de néolibéraux ne se reconnaissent pas tous dans cette étiquette qui est un peu péjorative. Mais il y a un courant de pensée bien identifié autour de Hayek, Milton Friedman, etc., qui se revendiquent comme néolibéral. Mais la plupart des économistes qui s'appellent aujourd'hui néo-keynésiens, hein, qui eux-mêmes s'appellent néo-keynésiens, nous les considérons comme néolibéraux parce que leur keynésianisme consiste à essayer d'adapter les politiques économiques à la domination de la finance. En ce sens, c'est une trahison du keynésianisme, de notre point de vue, puisque Keynes était tout à fait farouchement hostile à la domination de la bourse. Mais aujourd'hui, les néo-keynésiens, qui sont quand même la grande majorité aujourd'hui de la profession, en tout cas dans la macroéconomie, sont pour nous des néolibéraux. Mais eux, ils refusent cette étiquette. Ils refusent cette étiquette. Alors quelque chose quand même qui est intéressant de noter, c'est que un éminent conseiller d'un des candidats à la présidence de la République, qui est un Français, enseignant aux États-Unis, vraiment néolibéral de toujours, se met à revendiquer apparemment, publiquement, le fait de s'émanciper de toute forme de keynésianisme. Tu parles de qui ? Je ne vais pas donner des noms.